C'est à très comptable. Président, moi je crois que c'est un sort de gérer. Et. Je suis acteur. Et je crois que vous avez une très belle performance aujourd'hui. Ça fait plaisir. Et je félicite vous. Je félicite les vice-présidents qui se font une belle approche. Je félicite. Félicite les collègues qui étaient augustés. Je veux qu'on prise de choses pareilles, ça peut arriver. Mais nous parlons contre, parce que moi avec lui, nos amis, malgré tout son temps d'Italie, nous allons faire accolade, c'est avocat Noé. Et puis c'est le président. Qu'on soit dans le tribunal de la majorité. Le président de la majorité. Qu'on soit dans le tribunal là, nous allons passer le coup. Et tout simplement, je vais demander au président pour permettre que demander au ministre de l'Éducation planifier dans le budget pour nous 60 écoles professionnelles dans le budget 2018-2019. Là. 6 pour la Tibonite, 6 pour chaque département. Et pour moi, la Tibonite, j'ai besoin d'un pour Machan, des Salines, d'un pour Verret, d'un pour Saint-Marc, d'un pour Gaumont, d'un pour Saint-Michel, d'un pour Petit Pivier de la Tibonite. Et je crois que chaque collègue va demander 6 tours, je vais demander le bouillon. Donc, j'ai besoin de 60 écoles professionnelles. Ouais, ouais. Et dans le ministère, si je vais demander 6 à l'ISA, je vais demander 3 dans chaque département. Et puis, après, après 3 encore. Mais l'important, pour que nous gagnions des mondes, nous formés, qui a servi pays à bien en termes professionnels. Nous devons ça. Ensuite, ministre, nous avons un petit mot ensemble, dans le cas de l'invitation de Féo, il y a 5 lycées pour 5 sections communales qui arrivent. Nous avons dit Féo dans l'école nationale. Nous avons expérimenté la Tibonite dans toute grande ville, Gonaïve, ensuite, etc., Cap-Haïtien, dans toute grande ville, nous avons dit nous mettons un lycée dans la section à partir de l'école nationale. Nous avons si nous avons des questions, nous avons discuté dans la commission éducation pour nous voir dans quelle mesure nous avons adressé ces questions et décortiquer et jouer nos solutions avec. Merci. Merci. Merci à sénateur Cantave pour l'intervention. Non, mais si nous pas fait Cantave, bien. La parole est toute pour vous. Nous profiter de ces circonstances pour nous dire, bon, faut que nous disions. Premier ministre Gain, Premier ministre ainsi que ministre Finance, ministre Éducation, très certainement ensemble de questions qui t'a adressé au yon, pour qu'on bah, réponse au yon. C'est vrai que moi, président de la commission a conclu, mais certainement, j'ai un pressentiment que quand le sénateur qui te pose une question, qui était sous soif, pour quand même que t'attendais qui réaction qu'on a gagné et qui prévision qu'on fait sur ensemble de problèmes qui a adressé. Yo. Ministre, vous avez la parole. Et Premier ministre, cette question est adressée très directement par le sénateur Salomon. Quand même, sous 4 jours effleurés, même lorsqu'on va rentrer dans son question, hein, ça t'a toujours fait collègue la plaisir. Moi-même, tout m'da, ça t'a fait plaisir tout comme président Sénat. Hello, oui. Oh. Très bien. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau, honorable sénateur, et rencontre après-midi, hein, genre que honorable sénateur et quant à Fekdili, nous pensons que son rencontre de haut niveau, côté que débat était très élevé, et nous-mêmes, au niveau du gouvernement, nous prenons note non seulement pour questions qui intéressaient l'éducation, mais tout, pour toute autre question qui en dehors de l'ordre du jour. C'est parce que nous baillons toute intervention ça a en pile importance. En ce qui concerne les dernières questions que l'honorable président du Sénat fait poser, si que vous accordez nous ça, président du Sénat, nous ne pas rentrer dans les détails à souhait, mais comme proposé par l'honorable président de la commission éducation, moi prends engagement pour moi capable de réunir avant la fin de la semaine ministre de l'éducation nationale, ministre des finances, le coordonnateur de l'OMRH et votre serviteur pour nous pencher sur plan d'action qui permettent nous de la nomination, le nombre qui restait, et puis le montant qui est nécessaire,
Et bien sûr, si nous avons temps pour nous faire, tout besoin en ce qui concerne nouvelle construction Cap Gagnin pour l'année fiscale 2018-2019. Ceci étant, si que vous êtes d'accord pour ne pas élaborer trop, je remercie tout un chacun et le Premier ministre restera toujours à votre disposition. Avec tout le respect que je vous dois et que je dois au Premier ministre, je suis un sénateur de la République. J'ai pour devoir et pour attribution de contrôler l'action gouvernementale. Le Premier ministre a été invité à être questionné. Je veux que ma question ait une réponse. Et je veux une réponse à ma question. Il n'y a aucun problème, sénateur. La différence est que le Premier ministre a été invité, et ceci sur une question bien précise. Et ça concerne le salaire des enseignants et des professeurs. Bon, je crois qu'il a répondu à toutes les questions y relatives, et très certainement, il a aussi pris note de vos différentes préoccupations. Et en temps et lieu, à une prochaine invitation ou convocation, etc., on pourra inscrire à la lettre d'invitation les différents éléments dont vous avez fait allusion tout à l'heure. Si ça ne vous dérange pas trop. Dans ce cas, Monsieur le Président, je réitère formellement ma demande. 1. Concernant le rapport qui a été acheminé au Sénat relativement aux dépenses effectuées dans l'état d'urgence. Deuxièmement, la question des kits scolaires. Si le Premier ministre Final Baraza ou ses points gouvernement marqué, c'est corruption et à combattre. Et ensuite, la question des 123 millions de dollars dépensés pour l'achat des équipements. Le sénateur Salomon pose des questions ça, yo, c'est pas un merdeur lié. La nation a besoin, voyez bien, qu'on rende des comptes. La bon pour vous, le ministre, je veux que vous ne sortiez pas pour la petite porte. Vous êtes un grand médecin que le pays connaît. Merci beaucoup. Très certainement, nous prenons acte sur question ça, bien que quand même, il y a une invitation, il y a une demande formelle déjà qui est faite dans ce sens. Seulement réitéré, et puis nous prenons toute disposition nécessaire pour que nous fassions invitation au Premier ministre dans ta cabinet. Demain, après la conférence des présidents, nous sommes capables, si nous avons suffisamment de temps, d'aborder des questions et pour nous capables d'entendre nos sondages. Merci, M. le Président. Et World Bureau, c'est répondre à toute demande qui est formulée par un sénateur de l'Assemblée sur n'importe qui sujet d'intérêt national. Je dis à moi très mal barré. Très mal barré dans la mesure où Mbagayen un seul sénateur sud-est qui est présent dans la salle là. Et le fait que Mbagayen un sénateur sud-est qui est présent dans la salle là, et moi-même m'a présidé, mettez moi dans une situation véritablement inconfortable parce que j'ai des problèmes tout pour la taille moi, que je n'ai jamais adressé. Alors dans le cas précis ça, si je choisis vous là, et puis j'ai confiance collègue, déjà je choisi par la même occasion pour me déposer tout fardeau qui a un rapport avec lui. Et puis souffrir tout de ça, peut-être que je souffre là, je veux dire. Mais je seulement, avec permission collègue, attirer l'attention et le Premier ministre et le ministre de l'Éducation nationale là, que depuis déjà un an et demi, j'ai l'école professionnelle, j'appelle là, qui finit et qui n'est pas équipé, et que jusqu'à présent, vous avez comme impression, jeunesse sud-est, là, ou bien mon sud-est dit,
que nous ne pouvons jamais régler rien pour question école professionnelle Jacques Mel là, alors que l'école professionnelle Flambeau-Neuf, lui existait, lui pas équipé, et puis pas dans quelle disposition qu'il prend la donne, alors que véritablement nos besoins, jeunes, fréquenter l'école professionnelle là. Monsieur le maire, attention sur ça. Au lieu que peut-être que moi-même me plains, m'a seulement dit que m'a tiré attention sur lui, mais quelles que soient les conditions, très certainement avec l'appui des collègues sénateurs, et bien n'a pété comme nous-mêmes dans le budget pour faire en sorte que l'école professionnelle de Jacques Mel commence à fonctionner à partir d'octobre. Et si qu'il y a là, nous avons urgence, à travers le fonds de développement départemental, et bien les 25 millions qui sont dans le budget, l'État a un droit disposer pour prendre 10 millions là-dedans ou 15 millions là-dedans et puis pour faire en sorte que les mettre matériel, équipement et même comme des cadres au minimum pour permettre que l'école là, véritablement fonctionne. Et là, je crois que bon, il faut que nous capables faire dans ce sens-là parce que je senti que ça constitue une chicane pour moi-même comme président sénat, qui gagne en l'école professionnelle, qui est en place, l'école là, le bâtiment là, et puis dans l'impossibilité de faire fonctionner depuis un an. Alors ce que pas gagné, rien que manqué, autre que matériel, équipement, et puis corps professoral là. Alors je voulais attirer l'attention, ça me fait petit plaidoirie ça, avec la permission des collègues sénateurs. Merci beaucoup pour les ministres, merci beaucoup le ministre éducation nationale, et m'a même dit merci à ministre justice, même dit ministre justice, excusez-nous pour nous faire les perdus après-midi là, mais quand même il replonger dans il commence à plonger lui dans ambiance et assemblée sénateur, invitation, convocation et qui sait interpellation tout parce que c'est trois éléments ça là dedans, c'est trois ions ça yo. C'est invitation, convocation, interpellation. Alors, nous disons merci beaucoup à directeur WMLH qui a fait un travail sérieux et une contente célérité avec laquelle moi, lui, a traité le dossier qui devant nous. Je m'a encouragé de continuer toujours avec concours pour permettre que c'est le principe de l'excellence, c'est lui-même qui primait, au lieu que peut-être c'est mérite avec excellence qui t'a primé. Nous disons merci à tous les quatre qui t'ont accompagné pour le ministre et dit pour le ministre. On connaît peut-être que le raté, rendez-vous 8h30, hein, c'est le même travail à quoi faire, c'est pour la République. Encore une fois, nous disons merci et puis à la prochaine, parce que toujours une prochaine fois, oui, autant de fois que le pays a fonctionné, autant de fois que le gouvernement là, prochaine fois, il a toujours existé dans le Parlement. Alors, encore une fois, merci beaucoup et bon travail. Prochain point, nous n'avons pas demandé avant que le ministre allait, n'a pas des protocoles là pour reconduire la délégation hein, dans le salon diplomatique là pour permettre que yo vaquer à l'occupation. Là. Non, mais on va chier.
Prochain point à l'ordre du jour. Question des intérêts généraux. Pas une question d'intérêt général pour l'instant. Prochain point. Autre point à l'ordre du jour. Fermeture de la séance. Point 6, fermeture de la séance. Plus rien de notre à l'ordre du jour. Séance à l'été. Merci beaucoup. Demain, 11h, conférence des présidents spéciales.